hoops to jump through. Yes. Soyez content d'aller au ciel. Yes. Finish the race, it's a hurdle race. Bonjour tout le monde, trouvez vos places s'il vous plaît, juste quelques instructions. Si vous ne vous êtes pas encore lavé les mains, s'il vous plaît, les désinfectants sont à votre gauche. Aussi, on a pris des mesures pour satisfaire au règlement du Québec. Alors, si vous avez... Okay, M. Roy est au milieu, au premier banc, mais on a des places pour deux personnes à chaque bout du banc suivant, et ça va alterner comme ça. Alors, ce couple-là est dans la bonne place. Et, vous êtes bonne. C'est beau. OK, c'est mon seul. Parce que moi, je commence à l'heure. OK? Ce que je veux. Mais on a des bains ici, on a des places ici. Troisième, quatrième, cinquième bain. Soyez à l'aise. Venez. Allô tout le monde. Au milieu, frère. Au milieu, s'il te plaît. On va respecter la distanciation. Malgré nos convictions personnelles. OK. Est-ce que tout le monde s'est lavé la main? Ça va? Il faut signer aussi avec votre numéro de téléphone, le petit livre. C'est fait? Tant mieux. Sinon, faites-le avant de partir aujourd'hui, au cas où. OK. Je vais demander à M. Campbell de terminer les funérailles dans la prière. C'est à la fin, c'est sûr. Mais à ce moment, vous êtes les bienvenus à la mémoire d'Éric Sirois. Plusieurs de vous le connaissez très bien, d'autres pas autant, mais on est là. Je vais donner un peu de son arrière-plan, ses activités depuis son salut. Mais on va commencer. Je demande à Luc Arsenault qu'on dure dans le chant. Quel repos céleste. Je vais mettre... maintenant, ça va être différent pour moi. Ne pas être ici pour le faire. On va retourner avec les photos d'Éric après les funérailles. OK, on va chanter le numéro 227. On va se lever, s'il vous plaît, numéro 227. Merci. Okay. Calvaire, tous mes ennemis.
prière. On va prier le Seigneur. Soyez-vous, s'il vous plaît. On va prier le Seigneur. Seigneur, on te remercie pour cette occasion de se réunir dans le nom de Jésus et pour célébrer la vie d'Éric Sirois. Seigneur, que tu sois avec nous, que tu donnes la consolation à ses proches. Seigneur, particulièrement à son frère Dave qui n'est pas là ce matin, à cet après-midi. Seigneur, que dans ces temps comme celui-ci, Seigneur, nous pensons vraiment à nos propres mortalités. Seigneur, de nous tous, de bien avoir une bonne confiance en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Sois avec chaque part de cette réunion funéraire. Et Seigneur, que tu sois honoré dans nos cœurs et dans nos vies. Nous prions ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais demander à Maxime de copier-coller les cantiques comme il faut. Il doit m'enseigner comment le faire. Alors, là, il y a plein de... Oh, je l'ai. Peux-tu chercher le feu qui est dans la machine? J'avais tant de choses ce matin et cet après-midi, mais juste pour vous donner l'arrière-plan d'Éric Sirois, il était né le 5 février, si je m'en souviens bien, 80... Non, 75. 75, oui, c'est ce que je pensais. 7-5, 8-5. Merci, frère. Hey, bonne mémoire, celui-là. Merci, frère. Alors, il était né à Rimouski, déménagé après quelques mois à cette île. Et sa mère, quand a commencé d'assister à l'église évangélique baptiste de Sept-Îles, où il a été sauvé, et son fils Éric aussi. Alors, Éric et sa mère ont déménagé à Québec il y a environ 19-20 ans à cause des problèmes médicaux pour avoir plus de soins ici. Alors, son frère Dave habite pas loin de Montréal et Éric nous a quittés le 20 août de cette année. Sa mère a déménagé avec Éric à Sept-Îles en 75, même année, après quelques mois, un peu après la naissance d'Éric. C'est là qu'ils ont commencé d'assister à cette église-là. Alors, Mme Sirois a été sauvée par la grâce de Dieu, et dans son enfance, Éric aussi, il s'est confié à Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Il ne connaissait pas beaucoup de sa parenté. Sa mère l'a précédé dans la mort le 2 mai 2018. Depuis sa naissance, Éric avait des problèmes, toujours des problèmes de santé. Il avait un cœur généreux envers les autres sympathiques et récemment, il a attrapé quelques cancers qui l'ont rendu fragile de santé. Il a planifié ses propres funérailles, comme nous ferons aujourd'hui. Les cantiques que nous chantons, c'est les cantiques qu'il a choisis. Nous savons qu'il avait des préférés, mais les quatre qu'il a choisis étaient vraiment près de son cœur. Environ 2000-2001, après le déménagement à Québec, Éric est devenu membre de l'Église baptiste Lévis Capitale. Le pasteur Côté, Olivier Côté, était le pasteur, depuis sa retraite, c'est le pasteur... Ah! Avec le barbe, je n'ai pas reconnu! Salut, frère! Alors, c'est le pasteur Joshua Campbell. Alors, Éric est fidèle à l'Église. Il faisait beaucoup de choses comme dirigeant des cantiques, chantant dans le chorale, il avait fait le ménage, l'ouvrait et fermait l'église pour les réunions. Lui et sa mère aimaient faire des soirées avec toutes sortes de jeux, mais la meilleure chose était la communion fraternelle à chaque soirée, ce que j'appelle les soirées sirois. C'est approprié, c'est sûr. C'est vraiment une bénédiction de voir des frères et des sœurs ensemble dans le Seigneur. Malgré quelques fautes qu'il avait, Éric était fidèle aux réunions à son église. Il m'a rencontré quand sa mère s'approchait de sa mort en 2018. Éric pensait de rester à la maison avec sa mère. Elle dit, Éric, va à l'église, il faut que tu y sois fidèle. Ah oui, maman, j'y vais. Alors, sa mère avait beaucoup de soucis pour sa vie spirituelle aussi. Alors, et quand l'église baptiste de Capitale n'avait pas de réunion le soir ou une autre soir en semaine, il rendait visite à des églises comme chez nous ici, je pense que Saint-Augustin aussi, Rivière-du-Loup, juste pour être encouragé et encourager les chrétiens dans les autres églises. C'est vraiment une bénédiction. Mais il me manque. Alors son sourire était de moins en moins à cause de la douleur, ses problèmes de cancer, mais je vais conseiller de ne pas perdre courage parce que bientôt,
comme il avait dit, c'est il va voir le Seigneur. Et je lui ai dit, chaque fois, j'en suis jaloux. Parce que je suis sauvé depuis un bon bout de temps. J'aimerais voir mon sauveur face à face, mais dans le temps du Seigneur, et pas tout de suite. Mais tout de suite, ça serait plaisant aussi. Maintenant, on va chanter un autre cantique. Prophète d'Éric, c'est le numéro 161. Reviens à ton père. Je vais préparer le dépôt pour cela. Merci de votre patience. On va se lever debout, s'il vous plaît, pour chanter. Reviens à ton père. OK, la deuxième. Merci. Excusez-moi. Merci, Caroline. Reviens à ton père, c'est bien. De chanter, merci, asseyez-vous s'il vous plaît. Avant de chanter le prochain cantique, rappelez-moi de mettre le camp en marche. Des fois, tout le monde qui assiste à notre église, parce que je fais tout, je peux avoir un oubli des fois. Maintenant, Eric a demandé de faire des orages envers lui. Alors, si je vais vous conseiller de faire quelque chose. Si vous voulez donner quelque chose devant tout le monde, de parler à haute voix, et je sais qu'on a des émotions dans une telle journée, mais essayez d'avoir une maîtrise de vos émotions parce que de pleurer 5 minutes, ça n'aide pas. OK? Est-ce que quelqu'un en est large de donner envers Eric? Oui, Maxime? Oh, wow. Oui, viens ici. Tu as l'habitude, frère. Oui, j'ai l'habitude, là, mais oui. C'est pas dit que je vais pas prendre. C'est combien de pages? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Non. Vas-y. Ah, j'ai écrit en grosse écriture là, pour être sûr que ça marche. On est limité du temps. Ah, OK. OK, vas-y. OK. Ah, merci, frère. Je pensais à Eric, puis est-ce qu'il y a des gens qui connaissent son verset préféré? Je crois qu'il le disait de temps en temps. Ésaïe 41:10. Exactement ça. Je vais commencer à 41:9. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Moi, c'est avec
avec comme vous tous, avec une certaine douleur dans mon cœur d'avoir perdu mon plus grand ami, avec lequel j'étais le plus près. Puis on faisait ensemble, comme vous saviez, beaucoup de choses. On allait à d'autres églises ensemble, puis on a fait tellement de choses, puis on a chanté beaucoup ensemble, dont les chants qu'on vient de chanter. Puis ça a été ma joie d'être son grand ami, puis qu'il le soit du jour où je l'ai connu, puis jusqu'à maintenant et pour toujours même. Alors je sais qu'on va le revoir, c'est certain. C'est seulement temporaire comme séparation. Mais je sais qu'aujourd'hui, sa joie est entière avec son Dieu. Aujourd'hui, il est pour vous et pour moi un exemple dans la foi. Son Dieu lui a donné des choses difficiles à vivre, puis il l'a gardé à travers ça. Je suis surpris de tout son service malgré sa santé. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent comme excuse. Ah, ben là, je ne peux pas servir le Seigneur, j'ai une mauvaise santé, telle et telle affaire. Puis il y avait tout contre lui. Il n'y avait pas une grande éducation, il n'y avait pas de moyens financiers, quoi que ce soit, il n'y avait pas de char, il n'y avait pas rien. Ça n'a jamais été pour lui un empêchement de servir le Seigneur. Il l'a fait malgré tout cela, puis je ne dirais pas même, s'il y a quelque chose, ça l'a quasiment excité à le servir le Seigneur, ça l'a rendu plus près de lui. Dans tout cela, il se confie en son Dieu avec sa maladie. Donc, ce n'est pas quelque chose de péjoratif qui a été tout ce qu'il a passé à travers, mais son Dieu là, se servit de ça pour qu'il soit près de lui. Je pensais à un passage dans l'Ecclésiaste. J'aime beaucoup le livre, l'Ecclésiaste. Puis il parle dans l'Ecclésiaste 9, verset 1, puis par la suite, il dit « J'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil, c'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté, car la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est accepté? Qui ne va pas vers la mort? Quelqu'un pourrait dire quel avantage ça lui a donné, tout cela pour faire tout ça pour son Dieu, comme pour ainsi dire en vain, avec toutes ses souffrances, racontant que peine et misère, avec tous ces mots qui revenaient toujours à chaque jour, puis il nous en parlait beaucoup, de tous ces mots, avec toute son angoisse, qui revenait toujours avec tout ça, pour ensuite aller vers les morts, hein, quand on y pense, c'est quelque chose de terrible, humainement, si on peut dire. Si on ne pense pas aux choses de l'Éternel. Mais probablement qu'il vous répondrait que son Dieu a fait pour lui, a été pour lui un soutien, puis sa joie dans tout cela. Son Dieu a servi de sa maladie. Puis au contraire, ça n'a même pas été une mauvaise chose pour lui, ça a été sa joie. Le monde pour lui était une place froide, sans amour. La joie était une vanité dans ce monde. Il ne voyait pas rien de bien. Il ne voyait aucun intérêt, même... même s'il y avait eu l'argent puis tout ça, il ne voyait pas l'intérêt de les belles choses, la vie ou tout ça. Il était seul. Il n'a pas eu d'occasion d'être dans le monde puis il voyait ça comme part. Ces choses-là, ça ne vaut rien. Moi, je veux mon église, je veux mon Dieu, puis c'est ce qui m'intéresse. Je veux chanter pour mon Dieu. Son Dieu était pour lui son tout, sa paix, son amour et sa joie. Dans Matthieu 11, un verset que tout le monde connaît ici, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'était pour lui, ça revenait souvent dans son cœur, ce verset-là aussi, où ce que, et il lui mettait à son Dieu son fardeau, ses peines, ses maladies, tout ça, son angoisse. Je repense à lui, puis à un de ses versets préférés. Puis, c'est souvent dans les enterrements, il me l'a dit, puis il pensait à ce verset-là. Puis j'ai checké tantôt sur mon outil biblique ce verset, j'ai essayé de le trouver, puis l'ai trouvé. Puis tout le psaume représente vraiment la vie d'Éric. Fait que j'ai trouvé ce psaume extraordinaire. Il y a 19 versets, mais il n'est pas très long. Je pourrais me permettre de... C'est un court psaume. OK, ça coûte maintenant. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications.
car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient choisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment, qui est le verset auquel je parlais. Écoute, Éternel, écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai en sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'Éternel. Au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Merci, frère. Dans ces dernières années, quand Samar, la mère d'Éric, s'approchait de Samar, dans le passé, j'ai parlé beaucoup avec Éric parce qu'il tremblait avec des larmes dans ses yeux à propos de la mort de sa mère éventuelle. Et je dis, frère, ça c'est où la grâce de Dieu te soutient, va te soutenir, va te supporter en tout temps. Et après la mort de sa mère, j'ai vu la grâce de Dieu dans la vie d'Éric. Il était fort et content dans le Seigneur, mais aussi s'approchant de la sienne. Et c'était difficile aussi, mais on avait des conversations sérieuses à propos des décisions sérieuses. Et je lui dis, Dieu choisit toujours la vie. Il est la vie. La résurrection est la vie. Et avec telle conversation, je l'ai encouragé. J'ai prié beaucoup pour lui de bien vivre par la grâce de Dieu, même en s'approchant de sa mort. Et le Seigneur l'a fait ça. Alors, si vous avez besoin de la grâce de Dieu aujourd'hui, Eric serait content de se réjouir dans les cieux à votre salut. Alors, merci frère pour ce témoignage. On va avoir un autre temps pour des éloges, mais on va chanter un autre cantique en ce moment. Je dois tourner la page. Ça va être numéro 271. 271. C'est vraiment préféré quand Eric assistait le dimanche soir chez nous. Il aimait beaucoup ce cantique. Mon Dieu, plus près de toi. Je pense que c'est le chant de son cœur en partant de ce monde à celui au ciel. À celle au ciel. Mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu. Come on.
Merci Luc. Maxime et Eric sont devenus de bons amis depuis quelques années, plusieurs années, mais je pense que Eric te manque, frère, c'est sûr. Le Seigneur nous donne la consolation. Maintenant, on va avoir d'autres éloges envers Eric, si vous en avez. Oui, M. Campbell. Oui, s'il te plaît. Ça coûte moins cher de venir ici. OK. Bonjour. Une autre personne après? Oui, je veux parler aussi de la part de notre église, la vieille capitale, parce que c'est notre frère, vraiment dans le Seigneur, un homme qui a servi le Seigneur avec joie et, depuis longtemps à notre assemblée. Et c'est plate à cause de la pandémie du COVID, on ne peut pas être tous ici aujourd'hui. Mais on a fait un temps de se mémorer ouais, notre frère le dimanche passé. Les membres ont partagé tous les bons souvenirs qu'on a de notre frère. Et c'est vrai qu'il va laisser vraiment, son départ laisse un trou dans notre assemblée. Mais on se réjouit qu'il est avec le Seigneur maintenant, plus de souffrance et plein de joie. Il peut chanter de bon cœur. Pas de masque là-haut, hein? pas de tous ces problèmes qu'on vit ici, mais vraiment, il nous manque comme église. Et j'ai sur mon bureau à l'église une liste de 10 activités que moi et Eric, on a parlé ensemble pour planifier des activités pour l'église. Et c'est un rappel de son désir que les frères et les sœurs soient ensemble. Et j'ai des bons souvenirs de nos soirées de communion fraternelle. Et chaque fois qu'on a eu une chose comme ça, on peut partager, être ensemble. Il était toujours tellement souriant et joyeux de participer, de voir tout le monde ensemble. Et j'ai lu dans 1 Corinthiens, ça nous dit que les membres du corps, les membres de l'Église qui paraissent être les plus faibles, sont nécessaires. Et chaque personne est nécessaire et Dieu a placé Eric dans notre assemblée. Vraiment, ça avait un bon impact dans notre église pour encourager de chanter. Il aimait chanter tellement. Si quelqu'un avait un chant préféré, Eric savait déjà le numéro dans le Célébrant Dieu. Je pense que pour chaque membre, il connaît déjà les chants préférés de chaque membre. Donc, c'est vraiment, il va nous manquer et on est content que le Seigneur l'a pris avec lui. Et on a toujours des bons souvenirs de notre frère Eric. Amen. Merci, frère. Louisette Marceau, avancez, s'il vous plaît. Ensuite, France Allard. C'est toi qui s'est levé la main? OK. Louisette est sauvée et assistée à notre église pour un bon bout de temps, mais le confinement est arrivé aussi. Mais on est content de la voir aujourd'hui. Elle connaissait bien Eric. Alors, venez. Ben, en fait, moi, je voulais juste vous témoigner du fait que si le Seigneur a vraiment utilisé à bon escient et à ses fins mon ami Eric, parce que c'est parce que je l'ai rencontré au déménagement d'une de mes amies, oui, que je l'ai connu. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin de me rapprocher du Seigneur.
comme j'ai été élevée dans une autre foi, on va dire, dans une autre religion, ça semblait pas être... on aurait dit que ça ne me rapprochait pas de la même façon du Seigneur que ce que je voyais qu'Éric vivait, ce qui m'a donc amenée ici. Puis c'était un peu hasard, grâce à Éric, et je le remercierai jamais assez de ça, puis je lui rendrai jamais assez hommage pour ça. Et c'est ça, je suis très heureuse de l'avoir eu dans ma vie. J'aurais aimé que ce soit beaucoup plus long que ça. C'était vraiment une personne extraordinaire. Puis c'est pas rien de le dire. C'est juste quand on sait toutes les souffrances. Puis moi, sa maladie primaire, ma fille, on m'avait dit quand elle est née qu'elle en souffrait probablement. Finalement, c'était pas ça. Mais par contre, j'ai appris tout sur cette maladie-là. Et sachant tout ce qu'Éric a vécu, à quel point il a souffert, je veux dire, c'était un témoin ça, vraiment extraordinaire de l'amour de Jésus. Et je le remercierai jamais assez. Puis je remercierai jamais assez le Seigneur non plus. Merci. Et ça, c'est la même journée que j'ai rencontré Louisette. C'est avec le déménagement d'Alain Lamar il y a 2 ans. Alors, c'est vraiment un privilège d'avoir connu Éric. Alors, France, maintenant. Non, moi, j'ai connu Éric. Ça fait des années que je connais Éric. Mais le plus gros de Éric, qu'est-ce que je retiens, là, c'est je rends gloire à Dieu. Je ne sais pas si ça t'entends pas. Je rends gloire à Dieu parce que pour moi, là, c'est un frère dans le Seigneur qui aimait vraiment le Seigneur, mais que Dieu travaillait dans son cœur. Puis ce que je voyais dans lui, là, c'est l'humilité, l'amour, le pardon. C'est ça ce que je voyais dans Éric. Moi, mon cœur déborde d'amour, de joie, de voir que comment Dieu pouvait travailler dans son cœur. Parce qu'il arrivait quelques fois que je pouvais reprendre Éric sur des choses. Puis Éric, hey, ma soeur, je te demande pardon. C'est pas ça que. Merci de m'avoir repris. Merci parce que je suis contente. T'sais. Ça fait que moi, je rends gloire à Dieu le travail que Dieu faisait dans le cœur à Éric. Puis il y avait tellement un cœur pour le Seigneur. Je rends gloire à Dieu. On a une dernière, c'est moi. Ça va être pas si long que celle de Maxime. Mais juste pour dire que chaque personne chrétienne qui entre dans nos vies, qui est fidèle au Seigneur, qui s'attache au Seigneur, même avec des faiblesses et des défis dans sa vie, c'est la constance d'être avec les autres chrétiens, de prier, de pardonner, de persévérer dans la souffrance. Et ça m'encourage. Je me suis dit que je ne vais pas être émotionnel aujourd'hui, mais je vais laisser la parole à notre prédicateur, Pasteur Roy, et que le Seigneur nous encourage avec la parole de Dieu. Frère, viens. Amen. Bonjour à tout le monde, et je veux prendre l'occasion, vu que je suis en avant, je veux aussi donner une éloge. Ça fait longtemps, pas mal, qu'on connaît Éric. Puis pour notre famille, il faisait vraiment partie de la famille. Il était un peu comme l'oncle de mes enfants. Sa mère était comme la grand-mère. Ils ont gardé tellement souvent les enfants. Puis je suis content parce que les deux, j'ai tellement des beaux souvenirs, même des derniers temps. Glorieusement. Les deux étaient juste prêts à aller rencontrer leur sauveur. Pas de peur, la joie du Seigneur. Puis je suis content aussi parce qu'on a pu les voir tout en famille, parce que des fois, c'est pas évident, là, que les horaires et tout ça. Je me rappelle quand que Monique était proche de décéder, j'avais été juste seul parce que les enfants étaient à l'école et tout ça, puis là, je voyais vraiment qu'elle était vers la fin. Puis j'ai dit, je vais venir avec les enfants, puis... c'est ça, ça a été, elle est morte pas longtemps après, puis il est arrivé la même affaire avec Éric. Donc, on est vraiment content que le Seigneur l'ait mis sur notre chemin. Il a laissé une marque, oui, d'amour, d'humilité, de fraternité. Un frère bien aimé,
dans le Seigneur. Moi non plus, je ne voulais pas faire ça, mais bon, c'est pas grave. Ça va se passer tant que pour tout le monde qui barre. Ouais, c'est ça. Le Seigneur m'a mis à cœur de commencer là où toi, ça donne bien. Le Seigneur dirige toute chose parce que il a lu le psaume 116 au complet. C'était le verset pour avec lequel je voulais commencer, le verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Vous savez, on est ici pour rendre un dernier hommage à Eric, notre frère bien-aimé. Mais j'aimerais juste poser la question bien simple. Pourquoi ça dit qu'elle a du prix? Parce que Christ a versé son sang pour racheter cette vie précieuse. C'est pour ça que on veut rendre hommage à notre frère. Oh, mais mon ami, il est maintenant la présence de celui qui mérite tout hommage. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est rendre hommage au glorieux Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a fait la différence dans la vie de notre frère. Si on était béni comme ça, c'est parce que Jésus-Christ un jour est rentré dans sa vie puis a fait la différence éternelle dans laquelle on a tous été bénis. Oui, parce que la vie d'Éric n'est pas terminée. En fait, la vie d'Éric, elle a commencé le jour où il a reçu la vie physique, elle a commencé physiquement, mais le jour où il a reçu Jésus comme son sauveur personnel, la vraie vie a commencé, puis celle-là, elle finit jamais. Il est dans la vie éternelle, maintenant, dans la présence de son bien-aimé sauveur. Et c'est pour ça que je veux rendre gloire à ce grand et merveilleux sauveur, Jésus-Christ. Celui qu'Éric est en train d'adorer, dans lequel j'ai dit, Éric, t'es chanceux. Tu nous devances vers un monde là, où il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de larmes. Il n'y a rien de ce qu'on voit ici. Il n'y a pas de corruption, pas de mensonge. Juste la vérité, l'amour, la pureté. Et pour l'éternité, il nous a devancés, mais on va le rattraper bientôt. On va louer ce grand et merveilleux sauveur. Dieu, notre Père, qui a envoyé son Fils et qui, par le Saint-Esprit, on peut le connaître. Quelle merveille! Et j'aimerais que, si vous êtes ici, vous considériez celui dont je vous parle, Jésus-Christ. Notre frère Éric, on l'appelle un frère parce que ceux ici qui sont chrétiens, on a un même Père par Jésus-Christ. On a été sauvés, rachetés. Et ce qu'on partage aujourd'hui, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui a fait la vie dans la différence dans la vie d'Éric. C'est ce qui a fait de la vie ici, la différence dans la vie de ceux qui l'ont reçu comme sauveur. La provision parfaite de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et donc, je voudrais vous parler de Jésus-Christ dans ce message-ci. Évidemment, on va parler d'Éric aussi, mais toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. C'est le personnage central des Écritures. Je ne pourrais pas vous parler autrement dans une occasion comme celle-ci. Jésus, c'est la parole incarnée qui est le personnage principal de la parole révélée dans les Écritures, la parole écrite. Éric vient de quitter son corps et Dieu lui avait donné son corps dans son amour, dans sa sagesse, dans son plan parfait, avec tout ce qui allait avec. Parce que Dieu est comme ça. Il fait tout à merveille. Même un corps avec lequel il peut avoir des maladies et des problèmes. Puis c'est vrai, c'est à la louange de sa gloire. C'est ce qu'on célèbre aujourd'hui. Avec le véhicule terrestre dans lequel Éric s'est déplacé, il a loué son Dieu. Sa vie est un hommage au Seigneur Jésus-Christ. Il est allé rejoindre le bon berger de son âme, là où tout enfant de Dieu vont être, pour l'éternité. Ah, et notre désir ici, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, si vous ne le connaissez pas, ah, comme on désire que vous connaissiez la vie, la véritable, celle qui est en Jésus-Christ. Et on témoigne, on aime notre frère Éric. Il nous manque. Il a joué un rôle important dans nos vies. Puis on souligne aujourd'hui ce qu'Éric lui-même voudrait qu'on souligne. La différence que Jésus-Christ a faite dans sa vie.
Parce que c'est ça l'histoire de quelqu'un. Ce qui vaut la peine d'être raconté, c'est ce que la grâce de Dieu fait. Ça, c'est merveilleux. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et comme on est content de se réjouir de ça, aujourd'hui, en pensant à notre frère bien-aimé. Donc, je veux juste vous partager simplement trois absolus. Vous voyez, dans le monde dans lequel on est, post-moderne, les absolus, ce n'est pas très populaire. Mais ce n'est pas grave, on n'essaie pas d'être populaire, on va être fidèle à la parole. Trois absolus à connaître, mais aussi à croire par rapport à Jésus-Christ. D'abord, dans Éphésiens, si vous avez une Bible, vous pouvez suivre avec moi. On va aller voir quelques passages, mais dans Éphésiens au chapitre 1, on voit que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Éphésiens 1, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Regardez avec moi, on va commencer au verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Père, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus-Christ est le chef suprême sur toute chose, il est au-dessus de tout. Tout est sous ses pieds. Quand on dit que Jésus est au-dessus de tout, c'est la position d'autorité, de puissance suprême. Autrement dit, Jésus, avec cette autorité suprême, il l'a sur toute chose. Et le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle, être réconcilié avec Dieu, c'est se soumettre à cette suprématie. Vous connaissez le verset? Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut, c'est reconnaître qui Jésus est. C'est pas moi l'être le plus important de l'univers. C'est pas moi qui a accompli la grande mission de la rédemption. C'est Christ et c'est lui seul. C'est pour ça qu'il est digne de régner puis d'être au-dessus. Et le salut, c'est le reconnaître pour qui il est, là où il est, dans cette position suprême d'autorité, étant vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui, pour quiconque reconnaît qui il est vraiment. Et si vous connaissiez Eric, et ça, c'est déjà c'est sorti dans les témoignages, vous savez que c'est une réalité dans sa vie, c'était pas juste des beaux mots, c'est une réalité que Jésus-Christ régnait dans sa vie. Il était joyeusement sous la houlette de son bon berger, sous l'autorité bienfaisante de son Seigneur. C'est la réalité de sa vie. Est-ce que c'est la réalité de la tienne? Dans notre nature pécheresse, on dit « Ah, je ne veux pas que quelqu'un me dise quoi faire. » Vous avez raison, si c'est au niveau humain, il n'y a pas d'autorité parfaite. Mais quand on parle de Jésus-Christ, on parle de l'autorité bienfaisante, parfaite, à toutes les fois qu'il nous demande quelque chose. Toutes les fois, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours ce qui est de mieux. Il n'y a jamais de tromperie, il n'y a jamais d'arnaque. C'est parfait. Ça, c'est une autorité qui est digne de notre confiance, de notre soumission, joyeuse, complète pour tous les jours de notre vie. As-tu humblement reconnu ton besoin de te soumettre à Christ?
As-tu vu que tu as brisé la sainte loi de Dieu? Les 10 commandements, Dieu ne les a donnés pas pour qu'on essaye de les garder, pour nous montrer qu'on n'était pas capable de les garder. La loi, si on résume ce qu'elle dit, elle dit, tu ne l'as pas, mon ami. Tu n'es pas capable. Puis la Bible nous dit qu'elle nous conduit à Christ. Lui est capable. Lui a parfaitement accompli toute la loi. Ce que nous, on ne pouvait pas faire, il l'a fait à notre place pour être notre substitut. Est-ce que tu reconnais ça devant Dieu? C'est ça, reconnaître la suprématie de Christ. Il y a juste lui. C'est pour ça qu'il est au-dessus de tout. Il y a juste lui qui a accompli la loi que nous ne pouvions jamais accomplir par nos propres efforts et que jamais personne dans l'histoire de l'humanité ne pourra non plus accomplir, sauf Jésus-Christ. Jésus-Christ est au-dessus de toute autorité. Donc, il mérite notre allégeance. Si je parle aux enfants de Dieu, on vient de le lire, Jésus-Christ est le chef de l'Église. C'est important de se rappeler ça dans ces jours-ci. Vous savez qu'historiquement, pour cette phrase, Jésus est Seigneur, ce qui nous parle de son autorité, beaucoup sont morts. Vous savez que du temps des Césars, il y avait une petite cérémonie qui était faite où est-ce qu'on prenait une pincée d'encens, puis on jetait ça, puis là on disait « César est Seigneur ». Puis c'était pour attribuer cette suprématie, même cette divinité, à César. Et quelqu'un pourrait dire « Ah, oh, c'est pas grand-chose ». Puis les chrétiens mouraient pour ne pas le faire, parce qu'ils disaient « Non, Jésus est Seigneur ». Et c'est ça, reconnaître la suprématie. Shadrach, Meshach et Abednego sont allés dans la fournaise ardente parce qu'ils reconnaissaient la suprématie de leur Dieu. Daniel dans la fosse au lion. Mes amis, ça n'a pas changé. L'Église de Jésus-Christ doit rendre à César ce qui est à César. Mais est-ce qu'on a oublié la fin du verset? On doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et ce qu'on lui doit, c'est notre allégeance totale, suprême, pour toute chose. Plus que jamais, l'Église de Jésus-Christ doit être loyale à comme on chante celui qui est son chef et maître. Avoir une plus grande confiance en lui que ce qui peut nous faire peur, que ce qui peut nous arrêter, nos raisonnements, et vraiment lui faire confiance. Vous savez, dans l'histoire, on a une leçon, okay, on a plusieurs leçons dans l'histoire, évidemment. Si vous connaissez les chrétiens des catacombes, pour se rassembler, ils mettaient leur vie à danger pour se rassembler. Puis les catacombes, c'est des endroits qui étaient souterrains, puis s'ils faisaient prendre, c'était ce qu'on appelle, tu sais, des fois on dit c'est un cirque, ou on dit c'était le Colisée, l'aréna, était publiquement mis en honte et tué, décapité, soit par des gladiateurs, des animaux, parce qu'ils ne voulaient pas fléchir le genou devant nul autre que Christ. Il reconnaissait la suprématie de Christ. Savez-vous aussi que dans des temps de pandémie comme on vit en ce moment, ce n'est pas d'hier qu'il y en a, saviez-vous que beaucoup de chrétiens, par exemple dans des villes de la Grèce ou maintenant ce qu'on appelle la Turquie, ce qui était l'Asie mineure, ou des endroits qu'on appelle le berceau de la chrétienté, lorsqu'il y avait des pandémies, une très malheureuse habitude que les gens avaient, ils fuyaient la ville, comme la peste, OK? Puis ils laissaient derrière les plus vulnérables, les personnes âgées, même les enfants, ils les laissaient là. Et c'est les chrétiens qui restaient, beaucoup au prix de leur vie, pour aller soigner puis s'occuper de ces gens-là vulnérables. Wow! On a-tu perdu quelque chose? Paul! Sa vie est en danger. Même un prophète, bon, du temps, il avait encore ses dons de signes qui étaient là pour l'instant. Puis il a fait une prophétie en disant, celui à qui sa ceinture va aller vers Jérusalem, puis il va être enchaîné, puis ça. Puis c'était évident que la mort l'attendait. Qu'est-ce que Paul a répondu? Hey, oui, c'est vrai, je suis mieux d'aller me cacher. Il dit, non, arrêtez. Vous me brisez le cœur. Je fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse ma course. Christ est suprême. C'est lui qui décide quand on commence notre vie, c'est lui qui décide quand on l'a fini. Notre but, c'est simplement de se soumettre à cette souveraineté, à cette bienveillante autorité dans notre vie, en faisant confiance pour le reste.
Est-ce que vraiment on fait un cas de notre vie? Ou comme Paul, on dit, je fais aucun cas pour ma vie, pourvu que j'accomplisse ma course. C'est Dieu qui dit, c'est quand qu'elle est accomplie. Ça m'amène au deuxième point, dans Colossiens, avancé, c'est dans le Nouveau Testament aussi. Non seulement Christ est au-dessus de tout, mais dans Colossiens, c'est vraiment, on voit beaucoup, la, on appelle ça la prééminence de Christ, mais je l'ai, pour rester avec les façons que je veux vous amener, les points, non seulement il est au-dessus de tout, mais il est le commencement de tout. Lisons Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Le Fils, évidemment c'est Jésus-Christ, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça, c'est le message de Colossiens. On peut dire que c'est vraiment là le cœur de ce que Paul communique aux Colossiens. Christ est le commencement de tout. Il a la prééminence. C'est lui qui est le premier, le plus élevé. Celui qui est placé comme incomparable. Évidemment, ça l'inclut l'Église. Ça dit ici, il est la tête du corps de l'Église. Si Éphésiens nous montre que l'Église est le corps de Christ, Colossiens nous parle que Christ est la tête de ce corps. Il a la primauté, il est la tête. C'est lui qui décide, c'est lui qui est le commencement de tout, il y a la prééminence. Et Dieu a travaillé dans mon cœur dernièrement avec un verset. Je parlais avec un frère qui connaît bien la parole, puis tout ça. Je ne cherchais pas c'est qui, vous ne le connaissez pas. Il est au sud de la frontière, il vient de l'Indiana. Puis il me dit, des fois je suis là, puis je parle avec des gens, des situations difficiles, puis on parlait de choses de ministère, puis il dit, la plupart du temps, je commence en priant, Daniel 2, 22. Là, je me suis senti comme un débutant de première année de collège biblique, Daniel 2, 22, j'ai déjà lu ça, mais c'est quoi? Daniel 2, 22, il a piqué ma curiosité. Tu sais, puis il me dit ça comme si, tu sais, j'allais savoir, ben oui, Daniel 2, 22, on prie tout ça avant, quand on a des problèmes, puis c'est ça, puis qu'on ne sait pas quoi faire. On prie Daniel 2, 22, évidemment. Mais, j'ai été voir, évidemment. Je vous le cite, vous pouvez aller voir vous-même. C'est dans le Daniel 2, c'est le rêve de Nebuchadnezzar. Il ne se rappelle pas du rêve, puis il ne se rappelle pas ce que ça veut dire. Puis bon, Dieu donne tout ça à Daniel, son serviteur. Et là, Daniel, dans 2, 22, il dit, il parle de Dieu en disant, il connaît ce qui est profond et caché. Il révèle, pardon, ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Fait que quand il prie ça, il dit, Dieu révèle. Révèle ce qui est profond et caché parce que toi, tu connais ce qui est dans les ténèbres puis la lumière demeure avec toi. Et vous savez, c'est vrai d'une façon bien unique avec ce qu'on est en train de vivre. Vous savez, moi j'aime l'histoire, j'aime beaucoup étudier l'histoire. Et des fois, on parle de grands leaders qu'il y a eu, ou des fois, on dit, ah, ça, c'est un bonhomme d'État, ou tout ça. Puis, ouais, il me semble qu'on ne se rappelle pas de lui. Souvent, ce qui va faire qu'on se rappelle de quelqu'un, c'est les crises. Comment il a été dans des guerres, comment il a été dans, OK? Et pourquoi? Parce que les crises révèlent de quoi vraiment on est fait. Les crises révèlent là où est-ce qu'on se confie. Et ce n'est pas une exception, ce qu'on est en train de vivre. J'appelle ça l'effet révélateur de la crise. Les choses qu'on vit nous révèlent. C'est quoi la foi chrétienne? Où est la place de Christ dans ma vie? Où est la place de Christ dans mon Église? Juste sujet de réflexion là-dessus. J'aimerais humblement avancer peut-être que la crise a révélé qu'on n'a pas donné. C'était déjà avant, mais ça a été révélé par la crise, la prééminence à Christ qu'on devrait y donner. Vous savez, il y a un verset qu'on prend des fois pour témoigner aux gens, puis
c'est correct, mais c'est quand même hors contexte, mais je veux dire, ça peut s'appliquer, mais voici, je suis à la porte et je frappe. On dit, ah, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Puis on comprend, c'est vrai, le Saint-Esprit, c'est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement, puis d'une façon, on peut dire, c'est... Mais dans le contexte, c'est Jésus-Christ qui est pas dans l'Église de Laodicée, parce que l'Église est tellement suffisante et en elle-même et tout ça, que il est là, il frappe pour pouvoir entrer. Elle est trop tiède, trop suffisante en elle-même. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné la prééminence à Christ. Est-ce que c'est ce que Dieu est en train de révéler à nos églises? Si vous êtes ici, vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, le commencement de la vraie vie, je l'ai souligné avec Eric, la vie véritable, et Jésus-Christ est la vie véritable, vous allez voir, c'est dans 1 Jean 5:20. Le commencement de la vraie vie, c'est Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, vous ne savez pas c'est quoi la vraie vie. Moi, je me rappelle, le jour où j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel, mes amis, j'avais du bagage. Puis, il y avait bien des affaires que je ne comprenais pas, mais il y a une affaire que je comprenais, wow! Là, il y a quelque chose de vraiment différent dans ma vie. Puis bon, ça a eu à travailler, puis tout ça, mais juste pour dire, là, je me suis vraiment mis à comprendre c'est quoi vraiment la vraie vie. Puis c'est comme, là, tout faisait du sens. La connaissance de la vérité, hein, comme ça dit dans la parole. Si vous n'êtes pas encore passé par le sacrifice de Christ pour le recevoir comme votre sauveur personnel, vous passez à côté de l'essentiel. Vous n'avez pas encore le commencement qu'il doit y avoir, parce que Jésus-Christ, c'est lui le commencement de tout. Et c'est lui le commencement de la vie véritable que lui donne, parce qu'il est la vie véritable. Ça m'amène au troisième absolu. Non seulement Jésus-Christ est au-dessus de tout, il est le commencement de tout, mais évidemment aussi, il est la fin de tout. Apocalypse 22. À la toute fin de vos Bibles, Apocalypse 22. Il est au-dessus de tout, le commencement de tout, et évidemment, la fin de tout. On va commencer au verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ça fait 2000 ans. Donc là, c'est le temps est très, 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 très proche. Ou comme diraient les jeunes, le temps est giga proche. OK? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, ou je suis l'A et le Z. Okay? C'est la première et la dernière lettre de l'alphabet dans la langue dans laquelle ça a été écrit. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Wow! Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus, c'est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Puis en passant à Dieu, l'Éternel, dans Ésaïe, dit ça de lui-même. Dieu, c'est un seul Dieu en trois personnes. Mais on pourrait dire autrement dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Puis on l'a vu, on va être jugé selon nos œuvres. Et savez-vous quoi? Moi, si j'étais jugé selon mes œuvres, je tremblerais, parce que mes œuvres, la Bible dit, sont comme un vêtement souillé. Puis savez-vous quoi? Ça l'accote aucunement, celle de Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire qu'Éric est devant Dieu, pas parce qu'il a gagné son ciel puis à cause de ses œuvres, mais à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Il ne s'est pas confié dans ses œuvres. Il a été jugé. Ses œuvres ont déjà été jugées. Puis il est rentré au ciel sur la base de l'œuvre de Christ. Et ça, c'est la meilleure fin.
Et donc, il faut être prêt pour ça. Et Jésus, on l'a vu, sa rétribution est avec lui. Celui qui a maintenant les bras ouverts dans la grâce, un jour, va être votre juge si vous continuez à le rejeter, comme celui qui vous offre le salut gratuit et éternel. Et en passant, quand on a vu au verset 1, celui qui est suivi, que ce soit encore, l'idée ici, c'est sceller son destin. Qu'on tremble à une pensée comme ça. Si je reste dans, si je me repens pas puis que je continue à faire ce que je fais, je scelle mon destin de rejeter Dieu, mais ça peut changer. C'est pour ça que la Bible parle de la repentance, que si ma vie est dans la mauvaise direction, que si je rejette Christ, les points sont levés devant Dieu, je peux les baisser tant que j'ai la vie physique, tant que j'ai le souffle dans mes narines, Dieu a encore sa grâce qui est offerte à moi. Et je peux, par la croix du calvaire, être réconcilié avec Dieu. Je peux être pardonné. Tous ces péchés, toute cette rébellion contre Dieu peut être effacée, lavée. C'est pour ça que la Bible dit, c'est ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça va être quoi ta fin? La perdition éternelle? Il n'y a pas de raison que ça reste de même. Jésus-Christ a tout accompli. Aujourd'hui, ça peut changer. Et aller dans le même endroit que Eric est en ce moment. Si vous êtes un enfant de Dieu, allez-vous avoir une fin qui va vous faire rougir? Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, dispensant droitement la parole de Dieu. Est-ce que vous allez pouvoir dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat? Vous savez, il y a bien des combats dans la vie. Il y en a bien qui sont mauvais, il y en a bien qui ne servent à rien. Il y en a bien qui sont juste pour ici-bas. Le bon combat, c'est celui du royaume de Dieu, celui qui a un impact éternel. Le combat de l'évangile éternel de Jésus-Christ. Ça, ça vaut la peine de donner sa vie pour ça. Le bon combat de l'évangile de Jésus-Christ. Pour Eric, il a terminé sa course. Il a déposé ses couronnes aux pieds de son Sauveur. Puis il se réjouit en sa présence. Puis je veux terminer avec cette réflexion. Mes amis, si vous êtes un enfant de Dieu, faites partie de l'Église de Jésus-Christ. Racheté par le sang précieux de l'agneau. Est-ce que je peux dire, ça se peut-tu qu'on soit dans le trouble? Pourquoi? Simplement parce que je pense que on ne rend pas hommage à Dieu comme on devrait. On ne l'exalte pas. On laisse les choses de cette terre devenir grandes, puis notre Dieu devient petit, mes amis. Les choses de cette terre, il faut qu'ils restent petites. Puis ce n'est pas parce qu'on les ignore, mais dans l'humanité, il y a eu des chrétiens qui ont eu des pandémies, qui ont eu des guerres, des crises économiques. Des choses incroyables, puis il y en a en ce moment. On soutient des gens au Venezuela, où est-ce que, si on pense qu'ici c'est terrible, mes amis, là-bas les gens restent à la maison parce que c'est dangereux d'aller à l'hôpital. C'est pas des farces. C'est tellement des mauvais soins, puis il y a un pasteur qui s'est fait tirer, en tout cas, une balle perdue, mais il est allé à l'hôpital, puis non seulement ils l'ont pas soigné comme il faut, puis tout ça, mais il a fallu qu'il aille sur un bureau. Parce que soit, si les gens sont soit à terre sur un brancard, il n'y a presque pas de lit. La salle d'opération, ça a l'air d'une salle de torture. Sérieusement, on a vu, les murs sont bruns. Tu sais, il était à blanc, mais là, tu dis, wow. Je veux juste amener le point ici. Le problème, c'est pas qu'on a des problèmes. Le problème, c'est qu'on fait trop un cas avec nos problèmes, puis pas assez un cas avec celui qui est la solution, mes amis. Il faut que Christ reste élevé au-dessus de tout ce qu'on peut vivre. Jésus-Christ n'a pas été... Il n'est pas devenu plus petit que nos problèmes, puis qu'un virus. L'Église de Jésus-Christ, mes amis, on est... Ceux qui ont le message d'espoir de ce monde désespéré.
Parce que même si on sauverait nous-mêmes, quand même qu'on aurait un temps d'extension dans cette vie, peut-être comme le roi Ézéchias pendant 15 ans, l'important, c'est l'éternité. Que donnerait un homme en échange de son âme? Est-ce que vraiment on veut sauver notre vie à tel point qu'on néglige ce qui est éternel? Est-ce qu'on n'a pas perdu, enlevé nos yeux de ce qui est éternel? Je crois que l'Église de Jésus-Christ ne vit pas comme elle devrait à la lumière de l'éternité, parce qu'elle a enlevé les yeux de celui qui est éternel. Mes amis, c'est le temps d'avoir les regards sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Satan voudrait se servir de tout ce qu'on vit pour nous diviser, pour semer toutes sortes de discordes, puis de haine, puis toutes sortes de temps perdu à essayer de tout comprendre, puis de tout expliquer, puis de ci, puis de ça. Alors que c'est pas ça notre cause. Le bon combat, puis l'Église, on est là pour se tenir pour que dans le monde, on puisse faire un impact éternel réel. Sinon, il serait déjà venu nous enlever. Puis en passant, je pense que c'est bientôt. Puis savez-vous, des fois, je pensais à ça. Ah, arrive donc des affaires mauvaises dans le monde, puis il y a toutes sortes de méchants, puis tout ça. Oui, savez-vous quoi? Les méchants attendent le signal de Dieu. Fait que tant qu'il n'y a pas l'enlèvement, là, tout l'avant de l'Antéchrist, Nouvel Ordre Mondial, ça ne va pas arriver. Dieu est au contrôle. Donc, on ne s'en fasse pas avec ces affaires-là. C'est Dieu, au moment donné, qui va dire, OK, venez-vous-en. D'ici là, c'est pas notre souci. Comment qu'on figurerait tout, puis c'est... Il est où l'Antéchrist, puis c'est qui, puis tout ça, puis... On sait juste que ça va être un menteur qui va faire des prodigues mensongers, puis tout ça, puis... Il est probablement quelque part dans le monde, là. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que Dieu, encore, sauve dans sa grâce. Dieu, encore, cet évangile éternel qui transforme les vies. Cette espérance vivante, si vous êtes un enfant de Dieu, puis vous l'avez en vous. Oh, mes amis! Il faut le partager. Nous qui sommes la colonne et l'appui de la vérité, qu'on ne soit pas passif à regarder la vérité trébucher sur la place publique. Puis le grand mensonge, c'est qu'on peut sauver nous-mêmes. C'est ça le plus gros mensonge. Je ne veux pas rentrer dans des controverses. Puis non, le mensonge là, qu'on vit maintenant, ça fait longtemps qu'il est là. Par les religions, par les gouvernements, par... La bonté humaine, ou peu importe, on peut sauver nous-mêmes. L'auto-rédemption, c'est ça qu'on combat. Non, il y a un sauveur, il y a un moyen d'être racheté, c'est par Jésus-Christ. C'est ça que le bon combat, il faut la vérité trébuche sur la place. Mais pourquoi il arrive tout ce qui arrive en ce moment dans notre société? Parce que on a rejeté Dieu, puis on a le salaire de ce que ça donne de rejeter Dieu. La vérité trébuche sur la place publique. Vous lirez Isaïe 59, c'était le même contexte. Les gens avaient rejeté Dieu, c'est pour ça que ça allait mal. Puis le prophète, qu'est-ce qu'il disait? Retournez à Dieu, il prêchait l'évangile. Si vous avez lu Isaïe, là, dernièrement, mon ami, il y a plein d'évangiles dans Isaïe. Vous squeezez ça, là, ils sont pleins de Jésus-Christ. C'est le prophète évangélique de l'Ancien Testament. Juste ici pour vous dire, mes amis, soyons pas contrôlés, envahis par la peur, par la haine, par... Ces choses-là sont complètement étrangères à Jésus-Christ. Complètement. Jésus-Christ n'avait pas peur. Jésus-Christ n'était pas menteur. Il n'était qu'amour, vérité, et il est notre tête. Nous sommes son corps. Combien de fois Jésus-Christ a repris ses disciples parce qu'il disait des affaires qui n'étaient pas conformes à la vérité, ou il leur a dit, « Pourquoi doutez-vous? » Jean de peu de foi. L'heure est à la fois ferme, la foi triomphante. Et mes amis, on n'essaye pas de gagner la victoire. On l'a déjà. Si vous êtes en Jésus-Christ, Jésus-Christ a remporté la victoire sur tous ses ennemis. Il les a même exposés à l'ignominie à la croix. Tous les ennemis. On l'a vu, il est au-dessus de toute domination, toute autorité. Et donc, on n'essaye pas de gagner la victoire. On tient bon parce qu'on a la victoire, puis parce qu'on veut demeurer dans cette victoire, jouir de cette victoire, partager cette victoire,
puis célébrer cette victoire. Elle est déjà à la croix, complètement accomplie. Christ est vivant. Le Saint-Esprit est celui qui communique toutes ces choses. Mes amis, soyons dans vraiment, gardons les yeux là-dessus. Qu'on ne perde pas la perspective éternelle de notre vie ici sur terre. C'est ça la grande attrape. On peut se barrer les pieds dans le présent pour oublier l'avenir glorieux qui est devant nous autres. Wow! J'avais clairement en cœur ce que je vous ai partagé là. Et je ne voulais pas offenser vraiment personne. Puis je ne pense pas que c'était offensif nécessairement. Mais je pense que comme les prophètes d'autrefois qui ont dit, « Hey, les amis, là, je pense qu'il faut, ouais, il faut qu'on se rende compte. » Attendez un peu, là. Si on est ici sur Terre, c'est parce qu'on a une mission. Puis la mission, elle est éternelle, c'est la mission des enfants de Dieu. Et notre frère bien-aimé, il se repose. Il se réjouit. Et nous, Dieu a décidé qu'on est encore ici pour un temps. Et mes amis, j'ai hâte que ce soit notre tour. Ça va arriver bientôt. Si vous n'êtes pas encore sauvé, l'appel a été lancé. Tout ce que vous avez à savoir sur le salut, vous l'avez entendu. Maintenant, il faut le croire. Tout ce que vous avez entendu, il faut vous le mélanger avec votre foi. Sinon, ça ne vous sert à rien. Si vous n'êtes pas sauvé, venez me voir Pasteur Lalonde. On va prendre le temps de s'asseoir avec vous autres, avec la Bible, pour vous montrer comment vous pouvez sceller votre destinée vers le ciel par Jésus-Christ. On te remercie, Seigneur, de ta bonté, de ta grâce. Oui, on veut rendre hommage à notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout, le commencement de tout et la fin de tout. Ah, et on se rappelle notre frère bien-aimé. Comment on se réjouit de ta grâce dans sa vie. Comment t'es intervenu dans sa vie, Seigneur. T'étais vrai dans sa vie. Il se réjouissait de ta bonté, Seigneur. Au sein de ses difficultés, de ce que tu as fait passer au travers, Seigneur, il glorifiait ton saint nom. Il était un trophée de ta grâce. On veut te louer, Seigneur, pour ta bonté dans la vie de notre frère. Et merci, Seigneur, pour ces gens qui sont venus ici pour lui rendre un dernier hommage. Mais on se rend compte que tout l'hommage, au bout du compte, revient à toi, qui a fait toute la différence et qui est tellement bon, tellement grand. Loué soit ton nom, béni sois-tu. Amen. Amen. Merci. Je vais demander aux instrumentalistes de s'approcher de leurs instruments. Mais juste une chose à propos des funérailles. On se rend compte de notre mortalité. On comprend que cette vie termine un jour pour chacun de nous. Et comme Pasteur Roy a bien dit, c'est le temps de réflexion. C'est le temps de considérer Jésus-Christ, pas une religion. Moi, j'étais rempli de religion quand j'étais jeune. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré la vérité, la parole de Dieu. Et comme on parle, on dit des mots que vous ne connaissez pas, comme « sauver »,« né de nouveau », et tout cela, c'est au lieu de ne pas avoir une compréhension intellectuelle que Jésus existait, mais que ça descende 18 pouces dans notre cœur. Et ça, c'est la vraie connaissance de Dieu, Jésus-Christ. Et vivez cette espérance, cette foi, cette conviction, cette vérité. Et si vous êtes là aujourd'hui, vous le connaissiez, mais il voulait que vous soyez dans le même état qu'il se trouvait, sauvé par la grâce de Dieu. Maintenant, je vais demander à notre frère Luc de venir pour chanter le dernier cantique que Carrick a choisi. Je vais vous donner quelques petites instructions après. On va chanter, on va se lever debout, s'il vous plaît. Espère en Dieu. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre. Là-haut qu'attend une maison. Espère en Dieu.
prête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brise ton corps, trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour couvre ses. J'ai demandé à Pasteur Campbell, pasteur de l'Église baptiste des Capitales, où Eric était membre, de venir et prier pour terminer la réunion aujourd'hui. Après les prières, soyez libres de rester pour jaser avec vos masques dans l'intérieur. Si vous sortez à l'extérieur, vous pouvez enlever le masque. Amen. Amen. Alors, merci pour le message aujourd'hui, Pasteur Roy. Et j'aimerais remercier deux personnes, hein, Annie Archinault et Isabelle Leroux, qui étaient avec Eric toute la journée, même après sa mort, le 20 août dernier. Eric, c'était là, il serait très, très reconnaissant de votre présence dans ces derniers, dans ces dernières heures. Oui, Annie? Je suis un peu gênée d'aller à l'avant. Je voulais juste rendre gloire à Dieu pour Eric. C'est un ami fidèle, comme il est écrit dans le Proverbe. Amen. Pasteur Campbell, le Seigneur soit avec vous tous, cherchez le Seigneur. Prions. Merci Seigneur pour cette occasion aujourd'hui qu'on a eue de fixer nos yeux sur toi, de penser à notre frère qui est un bon exemple pour nous tous dans sa fidélité, dans sa vie, dans sa confiance en toi. Merci que tu es souverain sur toutes choses. Tu nous connais. Tu connais d'avance le jour de notre naissance et aussi le jour de notre mort. Tu connais, nous connais profondément. Tu connais chaque cœur. Et tu nous aimes avec un amour infini. Et on veut que cet amour déborde de notre vie. Aide-nous à aimer comme tu nous as aimés. Merci pour notre frère qui a, on a vu cet amour. Pour toi, Seigneur, aussi pour les frères, les sœurs, ton Église, pour les gens non sauvés aussi. Merci pour le message qu'on a reçu pour Pasteur Roy qui a prêché fidèlement ta parole. Aide-nous à garder en perspective les priorités dans la vie. D'avoir nos efforts centré sur les choses éternelles, de participer à ton œuvre ici sur terre pendant qu'on a le temps. Merci pour l'espoir qu'on a qu'un jour tu vas revenir nous prendre auprès de toi. Un jour on va revoir notre frère au ciel. Quelle joie éternelle! Je demande
de garder nos cœurs. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne connaît pas ton salut merveilleux par Jésus-Christ, je prie qu'aujourd'hui, puisse accepter, puisse comprendre à quel point tu les aimes. Bénis chacun qui est ici aujourd'hui et qu'on continue à faire ton œuvre comme notre frère Eric a fait jusqu'à la fin. Aide-nous à terminer notre course comme il a fait, comme l'apôtre Paul a fait. Et aide-nous à garder nos yeux sur toi. Et c'est pour toi, ta gloire qu'on prie toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, frère. Alors, bonne fin de journée. À la prochaine.